Hello, hello, assalamu alaikum, comment ça va les amis YouTube? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va bien, alhamdoulilah. Et c'est parti pour la suite des aventures du dîner presque parfait chez les copines. Et là, on part chez Myriam. Allez, je vous emmène avec moi pour un thème provençal. Écoutez les cigales. Écoutez. Magnifique. Ah, franchement, la barre elle est haute là. La barre elle est haute. Trop trop beau. Mashallah, regardez. Regardez la critiqueuse, le thème qu'elle a fait. Regardez comment c'est beau. Les cigales, mashallah. Comment vous abusez? Oh là là, j'ai baissé le son, nous sommes des boucans les amis. Oui, on parle trop fort, on rigole, on s'entend même plus rien qu'entre nous. Alors regardez son plateau d'accueil, là, d'apéro, trop joli. Tapenade de maison. Elle savait qu'il ne fallait pas se louper, donc tapenade de maison. Regardez son jardin, machallah, je suis dans la jungle des tropiques. De la Provence, au fin fond de la Provence. Nous sommes au Mont Ventoux là presque, carrément. On n'est pas bien là? Oui. Ah Lina, dès qu'on dit Lina, je dis oui. Allez, on passe à table apparemment et on va filmer. Allez, ça. Prenez, il manque deux chaises les filles. D'accord. Toi tu t'es installée, tu bouges plus, on a compris, c'est bon, c'est bon. L'autre jour c'est toi qui portais les chaises, là ça va être nous. Mon assiette elle arrive. Regardez. Trop belle. Normalement, les dernières qui passent, là, elles savent quoi faire. Hein. Très belle présentation, machallah. Allez, on va passer à table, on va manger. Bismillah. Bon, voilà les filles, alhamdoulilah, on a bien mangé, rien à dire. Je suis au dessert et... L'aumônière et la salade à l'entrée, comme je vous avais montré, c'était très bon. Plat principal, très bon aussi. Bon, les tomates moyennes. Mais là, les fraises, elle a mis de la cannelle. Non, c'est pas possible. De la cannelle, de la menthe. Avec moi, pour moi, ça passe pas. Donc, la tarte au citron, moi, j'ai trop aimé. Même si c'est pas elle qui l'a faite, mais qu'elle a fait la crème à l'intérieur. Donc, je valide. Franchement, très, très bonne. Les fraises, moi, j'aime trop ça. Mais avec la menthe et la cannelle, je sais pas, ça faisait un mélange bizarre. Du coup, j'ai pas trop touché. Eh bien, écoutez, c'est parti pour les notes, les amis, c'est vite fait. Hein. Et puis, les notes, voilà, on va bien rigoler. Alors, pour la déco, je vais mettre un 10, parce que c'était dans le thème. C'était très mignon. Et voilà, c'était très frais. Moi, j'ai trop aimé, moi aussi. Ensuite, oui, voilà, ça fait un peu l'époque, quoi. Non, c'était moi, simple et bon, c'est trop beau. C'est chaleureux. Voilà, bonjour, c'est chaleureux. Pour le repas, je vais mettre la note de 9. Il y avait juste les tomates qui n'étaient pas assez salées à mon goût. Et la tapenade un tout petit peu trop salée. Mais sinon, c'était super. Donc, voilà. Pareil, ouais. Et pour l'ambiance, je vais mettre la note de 10 parce que franchement, on a bien rigolé. C'était bon enfant et on a passé une belle soirée. Ok. Voilà. Allez, à mon tour de noter. Donc du coup, pour la déco, ouais, dès qu'on arrive, il y a la déco de suite. C'était magnifique. Je vous ai filmé, les amis, vous avez vu. C'était chaleureux. En plus, elle nous a mis le petit bruit des cigales. Elle nous a mis le bruit des cigales, j'ai trop aimé. Donc là, c'est de suite. La vérité, après, franchement, on donne des bonnes notes quand même. Oui. Il n'y a pas ça à la télé. Et même moi, la vérité, les cigales, c'est vrai, j'ai oublié. Non, on a elle m'a mis les bonnes notes parce qu'on est des copines, en vrai. En vrai, là, on va se la jouer stratégique. On est gentil. Non, la vérité, moi, la déco, je dis rien parce que franchement, c'était trop chaleureux. C'était trop les bon. Cigales et tout, elle m'a fait délirer. Son apéro magnifique, était trop beau, son apéro. C'est vrai, j'en ai pas parlé de l'apéro. Ça faisait chaleur. Oui, t'as vu? Trop bon. Franchement, c'est trop beau et ça faisait chaleur, la vérité. 10. Elle mérite un 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Ah ben, le plat, en tout, le plat, ben, pareil, moi, les tomates, je les trouvais pas assez cuites. Limite, elles étaient presque froides, mais en fait, c'est parce qu'elles étaient pas assez cuites. Mm. Mais après, voilà, la tomate à la provençale, c'est le thème provençal en même temps. Hein, donc, voilà. Donc, après, il y avait quoi? Attends, je réfléchis là. Il y avait quoi? Ben, en fait, le menu dans la globalité,
La salade, j'ai beaucoup aimé l'aumônière et la salade, j'ai bien aimé. Ça manquait un peu de sauce, mais après, ça, c'est, voilà, on peut en rajouter, c'est pas un problème. C'était bien présenté. Dans le menu, bah, le poulet, je l'ai mangé. En fait, ouais, moi, ce qui me dérangeait, c'était juste les tomates, en fait. Pourtant, j'aime bien les tomates. Mais je sais pas. C'était pas assez cuit, il manquait de sel. Et il y avait quoi avec le poulet? On a oublié de parler du dessert aussi. Les pommes de terre, oui, trop le poulet, les pommes de terre, voilà. Non, les pommes de terre. Même le dessert, j'ai oublié. Et le dessert, la tarte au citron, j'ai trop aimé, mais les fraises, j'ai pas aimé parce que dans les fraises, elle a mis de la cannelle. Fashion faux pas. Pour la cannelle, le menu, j'ai bien mangé. Et ça va, 8, c'est une bonne note. C'est bon, Myriam, ça va, c'est une bonne note. Tu m'as charclé, toi, quand même. Donc, moi, j'ai oublié, c'est vrai que la tartelette. Myriam, 8, tu le prends. J'ai bien aimé la crème de la tartelette qu'elle avait fait maison. Ouais, c'était bon, mais après, mais j'ai par pas contre, aimé la, c'est la tarte. La cannelle et tout, dans les fraises et tout, j'ai pas du tout aimé. En plus, j'ai un peu mal au ventre ce soir, donc je vous raconte pas. Descends un peu l'écran. pour l'ambiance, ouais, franchement, on a. Alors, pour l'ambiance, mort de rire. Comme c'était le thème provençal. Je sais pas pourquoi, d'un coup, dans notre délire, on est parti dans les années twist. C'est ça, ça nous a fait repartir en arrière, années... oui, c'est vrai. Ouais, on va partir en arrière. Ouais. Mais c'était trop marrant, on a parlé de notre époque, de quand on était jeunes au lycée. Comme si on était des vieilles, comme si on était des vieilles. On était jeunes, hein, arrête. Franchement, on a parlé de l'époque du lycée, après notre rencontre avec nos maris et tout ça. Bon, c'était trop marrant, franchement, on a passé une soirée à parler comme ça. Donc, un petit 10 pour cette belle petite ambiance. Voilà, bye bye, bisous. Donc pour la déco, dès qu'on est arrivé, donc il y avait le petit champ de cigales. Moi, ouais, j'ai trop mal dans ma tête, la vérité. Moi. De prendre 3 Doliprane à cause de ça. du coup, donc j'ai mis les petits citrons, j'ai noté le petit papier provençal qui est très très demandé. Donc du coup, on va être juste, je vais mettre 8 pour la déco. Aïe, ouais, c'est une bonne note de toute façon. Très bonne note. La vérité, en vrai, c'est des bonnes notes, en vrai. Je me dis ou quoi? C'est comme tu veux, moi voilà, j'ai 8. Moi je dis j'ai mis 10. Voilà. Hein? Moi j'ai mis 10, j'ai trop aimé, c'était chaleureux. Mais j'aime dire que c'est pas. Mais c'est ton opinion, hein. C'est mon opinion, j'ai mis 8. Allez, elle a mis 8. On va pas être hypocrite, hein. Voilà. J'ai déjà entendu ça. Voilà. Tu vois, ça te fait remémorer des choses. Mmh. Alors pour le repas, donc j'ai apprécié les tapenades de Thermomix, j'ai apprécié la tartelette déjà faite, la meringue déjà faite, j'ai très apprécié. La vérité, je vais mettre un 9 juste par rapport à l'escalope. Quelle. Oh, ce que tu as, ça arrive ici. Il n'y a rien qui va chez nous. Oui, elle t'a fait une escalope que pour toi parce que tu ne manges pas le poulet. Voilà. Okay. Alors, du coup, je vais mettre que juste et lui mettre un 9. Même okay. Si ça me démange de mettre 6. Voilà. Ah, il y a carrément. Ah oui, un matin, elle m'a mis des 5 d'oubli ou quoi? Non, mais hormis ça, t'as pas aimé? Non, c'est très bon. Oh, Radim, c'était très bon. Mais bon, il y avait des choses qui n'étaient pas faites maison. On s'en passera. D'accord. Bah, c'est une bonne note, là. Voilà, des meringues à Lidl, on s'en passera. C'est une bonne note. Un peu de Thermomix, on s'en passera aussi. Voilà. Du coup, pour l'ambiance, donc l'ambiance, la vérité, allez, je vais lui mettre un 10 sur 10 parce que toute réunie, ça fait trop rire. Voilà. On est parti à l'époque, on a discuté. La vérité, on est parti à la rémemorie. Souvenir, ouais. Jeunesse. Ce soir, souvenir de jeunesse. Alors, pour la déco, je vais donner la note. 2. Roulement de tambour ou quoi là? Oh là là. 9. Ok. C'est une belle déco. Bah, c'est une belle note après. C'est dans le thème, voilà. Mmh. Avec les citrons, etc. Ouais. Très bien. Ensuite, pour le repas. Pour le repas, je vais mettre la note. Ben, je vais remettre un 9. C'était bon, c'était provençal. Voilà, juste l'entrée, le chèvre, le feuilleté chèvre qui était un petit peu trop salé, mais sinon. Ouais, tout le monde a trouvé. Moi, j'aurais mis 10. Et pour l'ambiance, donc comme elle nous a tous charclés par rapport aux enfants et qu'elle nous a rajouté un qui ne met pas à nous, donc, elle nous a rajouté ce déposé. Ah, elle a rajouté. La vérité, il y a un enfant, c'est même pas le nôtre. On galère avec les nôtres. La preuve en image. Je vais mettre la note de 8 pour l'ambiance, malgré qu'on s'est éclaté. Oui, parce qu'on a remémoré les souvenirs. Vraiment, parce qu'elle nous a tous charqués pour les gosses et qu'elle nous a rajouté et qu'elle pas à nous. Voilà. Mais il était sage quand même. Hein, il était sage, cet enfant, quand même. C'est l'excuse. La vérité, il y avait l'enfant du voisin, mais il était trop gentil. C'est l'excuse. Ah, punaise. J'ai des nerfs des miens sur lui. Mesquine. Bon, allez, c'est bon, on valide.
Non, non, là, Zahma, il y en a un que tu aimes bien qui t'a plié. Non, c'est plus pareil. Ah. Non, c'est pas fou, j'aime tous les allez, thèmes. Allez, mais là, elle a dit j'aime tous les thèmes. Bon, les amis, attendez, j'explique ce qu'on va faire. Non, attends, je mélange. Elle mélange et tout. Chauffolie. Donc, on a changé les règles. Donc, alors, attendez, on explique. Là, on a changé le thème. On a mis plein de petits... Non, on a changé l'idée du cadeau de la gagnante. Parce qu'au début, on a fait ça pour rigoler à la base. Parce qu'en fait, la gagnante... Voilà. On devait lui remettre pour rigoler. Non, à la gagnante, à la base, on devait lui remettre pour rigoler. Comme ça, c'était pour rigoler. Ouais. Un petit budget de 10 euros chacune. Ouais. Pour rigoler. Mais moi, j'ai voulu changer un petit peu le jeu. Je voulais du contenu. Donc, je me suis dit, on va faire tahabbo. Donc, on a un thème. Je voudrais que tout le monde gagne, en fait. On a un thème, en gros. Là, on a plein de thèmes. On va tirer au sort. Yaki, on va tirer au sort. Donc là, il y a 5 on va tirer au sort, vous allez comprendre. Allez, on va tirer au sort. D'accord. Allez, tu commences. Bismillah. Allez, bismillah. Mais tu m'as dit que t'aimes bien tous les thèmes, non, de toute façon. Tous les thèmes, à vérité. Allez, premier thème, il est pour toi. Ouh. Tu peux me le déplier? Oui, bien sûr, attends. Vas-y. Bismillah. Non, moi, je vais pas gagner. Moi, montre. Mets-toi plus bas, comme ça, on voit. Mais pardon, excuse-nous. Cocooning. Toi, tu as un thème, alors cocooning. Donc, elle va acheter un cadeau d'une valeur. On a un budget à respecter, bien sûr. D'une valeur de 10 euros, tout ce qui fait cocooning. Voilà, et tu dois acheter quelque chose en plus pour la gagnante. Pour la gagnante, on doit acheter un cadeau en plus, quand même. Toute chacune. Voilà. À toi. Bismillah. On dirait qu'on va tomber sur je sais pas quoi. ouvre-moi-le. Et voilà, la petite dans les bras. Bismillah, bismillah, bismillah. Moi, j'en ai marre de ces copines. Voilà, j'en peux plus. Si tu attaches tout ça le miroir. C'est quoi ton déco? Déco, machallah, c'est trop bien. Vas-y, c'est moi, je vais fous. On échangera. Alors, attends. Non, le mien. Pas, déco. Le mien. Ça va, tu vas me le déplier, s'il te plaît. C'est Habti. Ah, mais déplié là. Je suis tombée sur. Gourmandise. Ah, d'accord. C'est facile, hein, franchement, gourmandise. Ouais, tu veux qu'on échange? Non, oh. Bon, gourmandise. Viens, Myriam, c'est à toi. Non, mais en fait, je le veux pas, je veux changer. On n'est pas possible, c'est pas possible. Du allez, vas-y. Et pioche. Du quoi? Il y en a plus. Si, il y en a deux. Mais en bas, mets-toi en bas, s'il te plaît. Bismillah. Je peux pas monter. Là. Mets-toi là pour Mina. Je peux pas trop monter. Non, c'est pas ça. C'est que je filme. Je vais pas monter en haut. Cosmétique. C'est dur, hein? Pour un budget de 10 euros, c'est dur. Que gourmandise, moi, ça va. Je vais bien me régaler. Elle va se péter, chaque action. Ouais. Sérieuse ou quoi? Gourmandise. Ah ben là, il va rester, donc je prends pour Mina. Ouais. Ouvre-le là plus bas, comme ça, elle le voit. Comme tu vois, il n'y a pas de tricherie. Le dernier est pour Mina. C'est bien-être. Elle est tombée sur bien-être. Ok. 10 euros. Bon, voilà, mort de rire, les amis. Vous aurez compris. On est des bouquins. Hein, d'accord? Ouais. Donc, on a changé le thème. J'ai changé le thème. Je leur ai dit, ouais, pourquoi pas à la gagnante plutôt que de donner 10 euros chacune. C'était juste pour rigoler, en fait. J'ai dit, venez, on fait un petit contenu. On va faire des petits thèmes déco. Et puis, on va se les échanger entre nous. Sauf que la gagnante, elle aura, pour la démarquer, la gagnante, elle aura un cadeau en plus. De la part de nous toutes. C'était où ça, où on l'invitait à manger dehors, pourquoi pas, mais on en a marre de manger, en fait. On en a un peu marre de manger, on s'est dit, vas-y, c'est pas grave, des cadeaux, ça fait toujours plaisir, on aime trop, nous, de toute façon, même des petits cadeaux, des petits articles, même de chez Action, on s'en fout, ça nous fait trop plaisir. Et voilà, donc j'ai changé le thème, c'était où ça, où on fait un colis à la gagnante, mais là, c'est trop bien, Tahabo. Tahabo, c'est ma cousine qui m'a dit, ça s'appelle Tahabo, le jeu d'échange de cadeaux, donc mort de rire. Mais voilà, et au moins, on a ce petit challenge de respecter les 10 euros à peu près. Hein. Si on dépasse un petit peu, c'est pas grave. Et un cadeau en plus pour la gagnante. Voilà, donc il y a des thèmes à respecter. Et puis, on se dit rendez-vous à la prochaine chez Mina pour son thème turc. Et voilà, et là, on s'échangera les cadeaux, tout simplement. Je filmerai tout ça. Oh, il y a un petit chat, mais où je vais, il y a des chats. Ricky ! C'est qui, pour de vrai, Ricky ? J'ai peur qu'il me griffe. Ça va? Oh, t'es beau! Non, je vais, il y a des chats. Bon, je voulais écouter les grillons, en fait. C'est pas un petit chat. Oh, il est beau, machallah. Ricky! Que t'es beau! Il est beau! Ah, ça, il va se mettre sur le dos, mais moi, j'ai peur. C'est pas mes chats. T'es beau, dis donc! Tu ressembles à Roméo. Oh, t'es beau. Donc voilà les amis, pour la soirée, un dîner presque parfait chez Mimi, thème provençal. Franchement, c'était magnifique, regardez-moi ce plateau avec les verres, là, avec la paille, les bonbonnières. Là. La tapenade maison, impeccable, trop bon. Voilà, elle nous a bien reçus, machallah.
Et puis, voilà, c'est pour la taquiner un petit peu, vu que c'était la critiqueuse du lot, elle aussi. Donc, mais bon, je lui ai donné de bonnes notes, quand même, ça va. Hein. Et puis, c'est le jeu, de toute façon, hein, que la meilleure gagne. La meilleure, elle va gagner quoi ? Un colis de la part de chacune. En plus, c'est tout. Et on va s'échanger les petits cadeaux. Voilà, j'ai très, très hâte. Le thème Turquie, comme je vous ai dit, chez Vie de Maman, chez Mina. Et voilà, et c'est pour rigoler entre copines. Voilà, on s'est bien vus en ce moment. Et après, on va faire une petite pause, hein. Non, les copines, je rigole, venez chez moi quand vous voulez, ok ? Autour de la piscine. Marhaba bikoum. Merci les amis, je compte sur vous pour liker la vidéo. Celles qui s'abonnent, ben, vous êtes la bienvenue. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.